Moi, je suis qu'à moitié surpris que Flame ne se souvienne pas qu'il est un frère. Bah, en vous transformant à nouveau en œuf, les démons de Skylia ont effacé une partie de votre mémoire. Et plus tu libères de dragons, plus vos souvenirs reviennent. C'est qu'une question de temps avant que Flame ne se rappelle de toi, mon grand. Basalto, calme-toi, ils ont rien brisé du tout. Il me suffit juste de sauver d'autres dragons et sans doute qu'après ça, Flame se souviendra de tout. Pour moi aussi, je dois avouer. Je savais que vous étiez tous plus ou moins des frères de cœur, mais de savoir que Flame et Basalto sont frères... Je sais pas, ça me fait un petit quelque chose. Il y a comme une deuxième famille chez les dragons de feu, ça me fait plaisir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais ton enthousiasme me fait plaisir à voir. Oh, toi, tu t'es assez habitué des dragons mystiques sont de retour dans la vallée, mais t'étais pas mieux avant, hein, je te signale. Oh, on te racontera, c'est une longue histoire. Pour le moment, repose-toi, je t'enverrai en mission de reconnaissance un peu plus tard. Rejoins Crippet dans son labo, on a un truc à vérifier. Tiens, encore ce bruit. Hey, Crippet, alors, toujours dans les bouquins? De quoi? Qu'est-ce qui est fascinant? Hein? Oh bon sang, mais ce truc me rend dingue! Une chauve-souris, ça peut faire quoi à ton avis? Voir dans le noir? Hein, c'est pas bête. Ce serait une chance en plus. J'aurais même plus besoin de torches pour aller miner dans les grottes. Non. Pour le coup, on a d'autres choses à faire avant. Tu sais quoi, je vais prendre le talisman du lapin. T'as préparé ce que je t'ai demandé? Bah, à ton avis. Cette année, je veux offrir à tout le monde un Noël digne de ce nom. Et là, j'ai la possibilité d'instaurer un peu de magie dans la vallée, donc autant le faire. Voilà, t'as tout compris. On va faire de jolies choses dans la maison. Et il faut aussi déplacer les coffres pour faire... tu sais, les coffres dans le salon, pour faire un petit terrain d'accueil pour tout le monde. J'ai vraiment envie de laisser personne dehors quand la neige commencera à tomber. Ouais. Bah tu sais quoi, viens, je vais te montrer. Ok, c'est dans lequel que tu as placé les outils? D'accord. Ah ok, ok, nickel. Pas mal en plus. Pas mal, pas mal, il y a vraiment beaucoup de matos. On va pouvoir commencer par les lampions du Nether. Le papier pour faire les lampions, ça c'est intéressant. On va avoir besoin de fer aussi. On a de la colo, mais on a que du rouge. Ah, on n'a pas d'orange. Ah, on va avoir que des lampes rouges. Attends, je sais ce qu'il faut faire. On a des fleurs jaunes quelque part, il me semble. Ouais, on en a quelques-unes. Olé! Oh, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que... Non, 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 t'inquiète, Cri, ça va aller. Invasion, creeper.
Je rêve. Mais allez, non. Ah. Oh, merci. Ah, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait équipe pour éliminer les nuisibles. Alors, comme j'ai dit, il me faut du papier, il me faut du fer et il me faut de la couleur. D'abord, on va prendre un tout petit peu de couleur. Je vais la mélanger avec un petit peu de jaune. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant, on va prendre ça. On va prendre le papier, on va entourer et on va prendre le fer. Nickel, ça en fait 4. Je vais continuer, je vais faire la même chose mais avec de l'orange cette fois-ci. Yes, parfait. Et maintenant, alors... Cree, t'avais bien... Cree ? Ah, t'avais bien mis du fil. Oh, de toute façon, araignée ou creeper araignée, peu importe. D'accord, ok. Bah, tu crois quoi? Bah, attends, bah, évidemment. Alors, ouais, il est... De toute façon, j'avais juste besoin de regarder. Tu donnes à manger à Flèche aussi? Alors, on va prendre du fil, on va prendre du fer. On va tout prendre d'un coup, comme ça, ce sera plus facile. On va prendre ça et ça. Yes! Ouais, ça fait 4. Ouais, bon, allez, 6, ce sera largement suffisant. Je garde des lampions pour après. Nickel. Ouais, bah, on va décorer d'abord le Nether. Enfin, en tout cas, le Nether. On va dire l'antre des dragons de feu. Me revoici. J'ai envie de vous présenter quelque chose de super sympa. Mais j'espère juste que ça va marcher. Est-ce qu'on peut faire genre ça là? Wow. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ça risque de... Ouais. Mais en fait, j'ai pas pensé à mettre un autre pylône. Bah, vous m'en voudrez pas si je vous le colle ici? What? Haha. Oh, j'adore, c'est trop beau. C'est génial, j'adore le concept. Vous en pensez quoi? Ah ouais, oh, ouais, c'est vrai que j'ai... Quoique non, c'est en matière inifugée apparemment, elles prennent pas feu. Ah, magnifique. Alors, tu connais mon goût pour tout ce qui est symétrique. Il faut que je fasse pareil de ce côté-là. Et c'est où? C'était là. Tiens, une source de fées pas loin. Il faudrait que je creuse un peu plus de ce côté-là. De toute façon, comme je prévois d'agrandir un petit peu tout ça, parce que là, vous êtes en train de vous marcher les uns sur les autres, je devrais normalement pouvoir trouver d'autres fées. Oh, j'adore! J'adore le concept, c'est excellent. Et là, on va en mettre une ici. Et on va la fermer là. J'adore le concept, c'est juste génial. C'est sublimissime. Oh. Bon, bah voilà. On a fait les petites décos, et je reviens un petit peu plus tard, Melou. Enfin, mes dragons. Ça colle parfaitement, t'as vu? C'est génial. Eh, mais je t'avais dit que j'ai des bonnes idées, je te l'avais dit. La nuit est déjà en train de tomber. Je pensais pas que ça allait mettre autant de temps pour moi de crafter toutes ces guirlandes. Tu sais quoi, j'ai qu'à continuer de crafter pendant la nuit. Ça fait plaisir de voir un tel enthousiasme. Tu rentres? Que je ferme la porte quand même. On va continuer de crafter de belles petites choses. Ender aussi, je suis sûr qu'il adorerait avoir ça. On va faire juste du noir. Il faut aussi un peu de glowstone. J'ai du fer et du papier. Ça devrait le faire. On va d'abord faire les lampions. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mon fer. Je vais aussi avoir besoin de mon encre noire. La glowstone, je vais la diviser en deux par là. Et du papier ici, et encore un petit peu de fer par là. Et là, au moins, j'ai mes lumières météores. Je vais en faire ouais, juste 4, ça suffira. Et puis pour faire les guirlandes,
comme d'hab, je vais avoir besoin de mon fil. Et alors, deux fils de fer, du fil ici, et les lampions. Ah non, je suis bête. C'est pas deux fils, c'est du fer. Voilà, nickel. Je vais en faire encore un petit peu. Hop, les attaches. Et voilà, nickel. On va voir un petit peu comment Ender réagit à la décoration de Noël. Ah bah, décidément, je le vois partout. Ender, ça va? Ouais, moi aussi j'ai envie de dire. Bon, pour l'instant c'est pas comme s'il était tout seul, mais... Oh non, un creeper. Un creeper inversé en plus. Et puis il a envie de danser celui-là. Je sais pas, il faudrait que j'essaie d'aller lui parler, mais... En même temps, on dirait qu'il aime bien son rôle de... surveillant aérien, je sais pas trop. Eh bien, en fait, on va décorer un petit peu ton antre. Avec... ceci. Ouais, c'est très... C'est très concept, c'est de la décoration noire. Le truc c'est que... Ouais, j'aimais bien ça aussi. Je peux pas le... C'est bizarre, je peux pas le déterrer. Ah bah non, mais je suis bête. Là, je peux pas occuper l'espace. Mais si j'en mets un genre... Là. Jusque là. Ah ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas très beau, en fait. Oui, non, mais ça, c'est parce que... Je sais pas, c'est parce que tu es un dragon noir. Tu aimes bien le, les petites lumières argentées. Mais moi, je sais pas, je trouve ça un peu... un peu bizarre, en fait. Mais bon, enfin, si tu aimes bien, tant mieux. Ça reste de la déco. On va continuer avec d'autres petites choses. Bon, bah tant mieux si ça te plaît, c'est cool. Donc, j'ai oublié ce qu'il fallait faire. Non. Noir d'abord. Fer. Voilà, nickel. Noir ici. Et on va rajouter encore un petit peu de fer. Voilà. Parfait. Et maintenant que j'ai donc tous mes lampions et mes lampes, on va prendre le fer, on va diviser, on va rajouter du fil, juste là. Et on va prendre, on va alterner lampe 1 et lampe 2 en fait. Et si je fais ça et ça, yes, ça fait de jolies guirlandes. Et si je fais du noir avec quelques petits lampions comme ça, ouais, ça marche aussi. Je suis pas fan. Comme toi t'aimes bien, Ender, je vais t'en laisser quelques-unes, je suis désolé, mais enfin, bon. Hop, je récupère. Là, pareil, je détache. Et si je fais ça à la place, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais! Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça? Ah, là, c'est clairement plus canon. Attends, hé, regarde. Ça tombe au sol. Eh, c'est pas joli? C'est clairement beau quand même. Je suis même tenté de remplacer les guirlandes ici par ces guirlandes là. Voilà. Eh, impec, j'adore. Ça, ce sont de belles guirlandes pour Noël, vraiment. Et on peut peut-être les poser au sol, non? Oh non, ça veut rien dire. Ça va traîner au sol, enfin ça traîne au sol et en fait ça traîne au plafond en dessous. Bon bah voilà. C'est décoré, et moi je vais en profiter parce que j'adore tellement la décoration du nether que je vais même carrément en mettre au-dessus de mon lit. Là... Parce que ça va bien avec la thématique toute rouge. Oh, excellent. C'est tellement beau. J'ai l'impression que c'est un peu une espèce de Noël... nouvel an chinois avec les petits lampions. Enfin, c'est sublimissime, quoi. C'est vraiment beau. Je vais avoir besoin du talisman du lapin, mais juste avant...
Hop, je repose celui du dragon, et voilà. Et je vais m'équiper du talisman. Ok. J'en avoir besoin pour les décorations extérieures. Ça fait toujours du bien de pouvoir sauter d'un ou deux blocs de plus. Alors, voyons voir est-ce que ça marche. Ouais, ah, c'est excellent, j'adore. Alors, je vais prendre, hop, celle-ci. Et on va se mettre comment? On va se mettre là. Yes. Hop. Et on va coller celle-là ici. Hey! Voilà, les petits lampions. Petits lampions d'ailleurs qui vont me permettre d'éclairer l'entrée et c'est pas plus mal. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses aussi qui pourraient nous être utiles? Je serais bien pour quelques guirlandes, mine de rien, comme c'est Noël bientôt. Pour les guirlandes, je vais avoir besoin de papier. Je vais également avoir besoin de fer. Je commence à tomber en rate de fer. Ça me plaît pas. Est-ce que j'ai encore du fer dans mon coffre? Ouais, j'en ai encore un petit peu. Et j'en ai même que je vais pouvoir faire fondre. Donc je vais en profiter. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Hop, vas-y. Fond, petit fer. Moi, je prends tout ça. Juste pour moi. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un moyen pour moi aussi de déloger les coffres pour pouvoir faire un peu de place justement. Tu m'avais dit que tu avais trouvé quelque chose. D'accord. Ouais, super. Enfin, du bois et un matériel. Ouais, je veux bien. Comme ça? Ouais. Ah, d'accord. Ah, je connaissais pas. Je vais essayer de faire un truc un peu solide quand même. On n'a qu'à prendre avec un manche en fer. Ça tiendra peut-être un peu plus. Et si je pouvais juste le déplacer. Oh là. Oh. Ah! Eh non mais. Eh! Non mais. Eh, je rigole même pas. Mais c'est quoi ce délire? T'as vu comment? Mais c'est super lourd! Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu sais quoi? Pas de bras, pas de chest. Hein? Je vais le poser là, tiens. Ça va m'aider. Et puis comme ça, je vais pouvoir tous les déplacer. Oh, il me fait bizarre ce truc. Ouais, non, je vais juste avoir besoin de celui-là. Enfin, à part que maintenant, il y a le truc qui tient en équilibre. Ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. On va fermer ça parce que c'est déjà la nuit. Alors. Donc maintenant que j'ai plus de fer, je vais pouvoir m'en servir pour faire davantage de guirlandes. On va prendre donc le fer, je vais le diviser en deux. Je vais prendre aussi le fil dont je dispose. Parce que le fil, c'est la vie. De la couleur, autant garder le rouge. C'est un peu notre dominante depuis le début. Et le papier est là. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va continuer. On va peut-être essayer de décorer un peu la. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va décorer la cuisine. C'est juste, mais tellement beau. C'est exactement ce que j'imaginais en fait. C'est vraiment ça. J'imaginais pas autre chose. Tu veux une guirlande pour ta bibliothèque? Ah, ça peut te faire un peu moche, mais... Ah, ça traverse quoi. C'est assez particulier. Enfin, t'as pas peur des petites moumoutes dans les livres, hein, ça va aller. Tant mieux alors. On peut aussi faire la même chose, mais en blanc. Mais bon, décorer les toilettes, je suis pas certain que ce soit le truc le plus super fancy du monde. Peut-être qu'on a encore des fèves de cacao. Ouais, juste une fève. Je vais m'en servir pour pouvoir faire des guirlandes marron dans le salon. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'exactement la même chose. Donc le fil, le papier, les fèves de cacao juste en dessous et le fer. Et voilà, ça me fait juste deux guirlandes, mais ce sera déjà tellement bien. On va pouvoir faire des petites décorations de Noël au niveau de la bibliothèque. Mais c'est tellement cute.
Bah tant mieux, c'est ça le but. C'est d'instaurer un petit peu de magie de Noël dans la décoration de notre maison. Et là, pour le coup, je pouvais pas espérer mieux. Bon, finalement, je change d'avis. Je crois que cette pièce, qui est assez sombre d'ailleurs... Oh la vache. Ah ouais, mais si on n'allume pas les lumières, je flippe, quoi. Genre, vraiment. Ça mérite une petite décoration, quand même, parce que... Voilà, c'est toujours festif. Puis, une décoration froide aussi, parce qu'à l'intérieur de la maison... Mine de rien, on a déjà une décoration qui est très qui est chaude en fait. On a du marron, on a de l'orange, on a les lampes jaunes, etc. À l'étage aussi, il faudra faire quelque chose, mais on a déjà du blanc et du noir. Là, j'ai envie de partir sur quelque chose de froid pour la salle de bain. Une salle de froid, je sais pas, une salle de bain couleur chaude, t'en penses quoi? Ouais, moi aussi. Mais d'abord, il faudrait qu'on prenne un peu de verre. Parce que ça ne marche pas en fait avec... on n'a pas assez de verre. Ça, plus de la bonne mille. Et là, voilà. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire des vitres blanches. Et là, maintenant, je vais pouvoir me faire des flocons de neige. Et ça, ça va apporter une touche de fraîcheur dans la décoration. On va reprendre la bonne mille, on va la placer là. Et on va rajouter également du fer pour faire tenir l'ensemble. Et là, ça c'est beau. Ça, c'est la beauté. On peut pas me dire le contraire, c'est quand même beaucoup plus beau. On va prendre du blanc. Et du coup, en fait, j'ai tellement de chambard, c'est terrible. Donc du coup, si je prends le fil, je prends le fer, que je reprends ça et que je prends ça, voilà. Là, on a quelque chose de plus beau. Fait à partir... deux flocons de neige. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais enfin, il faut vraiment le faire tenir haut parce que sinon, ça rime pas à grand chose. Mais c'est joli quoi. Ça fait des jolis petits lampions flocons de neige qui peuvent décorer une salle de bain. Et j'aime beaucoup. Et puis, je pense qu'on va aussi pouvoir en mettre... ici, là, voilà, nickel, ça fait une jolie petite déco, j'aime beaucoup. Ah bah voilà, il y a des guirlandes absolument partout, il manque plus que le sapin en fait. Et puis il faudrait aussi que je pense à aller décorer décorer l'antre de Leaf, qui pourrait être sympathique en fait, peut-être avec des... peut-être pas des flocons verts, mais d'autres petites lampes, genre par exemple des lampes électriques... de lampes électriques vertes, ça pourrait le faire, je trouve. On va prendre ça, on va prendre du fer. Ah mais est-ce que j'ai du verre aussi? Non, j'ai pas de verre, j'ai pas de cactus. Ah, ça risque de pas le faire du coup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, un petit problème? Oh non. Oh non. Oh non. Je vais pleurer.